Un ours. Merde, le con, il a fui. Merde. Oh, je l'ai eu, je l'ai eu, je l'ai eu, je l'ai eu, je l'ai eu. Oh, nickel. C'est qui le plus fort, Kiki? C'est qui le plus fort? C'est Balrog. C'est Balrog qui est le plus fort, Kiki. À prendre... 10 kilos de viande. On va annuler la 10 kilos de viande. Ouah ! Annuler les 10 kilos de viande parce que je suis à moitié foutu. Déjà, je suis à moitié épuisé. Donc du coup, il faut que je fasse... Comment qu'on va faire ça ? On va se faire un abri, en fait. On va se faire un abri. À côté de notre pote, là, en fait. Vu qu'il y a du feu pas loin, on va faire un abri ici, où on va pouvoir se coucher et tout ça, se reposer avec notre pote qui est un peu malade. Et on va pouvoir dépecer la viande aussi. Donc ça, ça va être cool. On va pouvoir faire cuire la viande, en fait. C'est dommage qu'on puisse pas mettre... ça, c'est le gros défaut, en fait, qu'on puisse pas mettre de la viande à cuire pendant qu'on fait autre chose et qu'on aille faire autre chose pendant ce temps-là, en fait. Par contre, j'ai dépensé un nombre fou de balles pour faire ça. Waouh ! Mais par contre, j'ai une dose de viande mais hallucinante, quoi. C'est cool, ça. C'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Il me reste une heure. Je sais pas combien d'eau j'ai encore sur moi. Un litre. Donc, on va faire cuire de la viande. Non, on va faire fondre de l'eau aussi pour pouvoir récupérer de l'eau. Enfin, fondre de la neige. On va faire fondre de la neige pour pouvoir récupérer de l'eau aussi. On va en profiter, je sais pas combien de kilos je suis. 35 kilos, je peux au moins prendre encore 5 kilos de viande avec moi pour ramener à la cabane. Avant qu'il soit complètement gelé, par contre il faudra que je revienne dès que je suis reposé. Pour récupérer le reste de viande. 4 heures de lumière seulement, je suis essoufflé. Ah là 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 là. Ou alors j'en mets là-bas. Attends, je vais faire un truc. C'est je vais mettre dans la petite caisse, il y a une petite caisse, je vais mettre de la viande cuite dedans. Je vais remplir la petite caisse de viande cuite. Comme ça, ça sera toujours ça de fait. Et je pourrais venir la récupérer après. Parce que j'ai pas envie de que la carcasse gèle, en fait. Parce que sinon, après, ça va être une galère pour récupérer la viande. Oh, la carcasse est déjà gelée. Merde. Faut que je fasse du feu, un feu à côté. On va tenter un truc super méga dangereux, c'est-à-dire qu'on va rajouter un peu de bois dans le feu, enfin, ce qui nous fait 82 de chaleur, et on va déployer le sac de couchage juste à côté. Voilà, et on va dormir pendant 4 heures, 4 heures. Histoire de se reposer. Non, allez, on va faire 3 heures histoire de se reposer un peu. Juste vérifier juste avant que j'ai pas soif. Par contre, je suis complètement exténué, c'est pour ça que je vais faire ça. Allez, c'est parti. On dort à la belle étoile en espérant qu'on va pas se faire réveiller par un loup. Nickel, et j'ai survécu 60 jours. C'est nickel. Et il me reste encore une heure de combustible. Donc je vais rajouter une heure. Je suis toujours aussi crevé ou pas? Non, je suis vachement moins crevé. Par contre, je suis assoiffé. Et on va manger un steak d'ours aussi. Il
Et on va redormir une heure. Ouah, il reste plus que 9 minutes, 8 minutes de feu. Faut absolument que j'aille chercher du bois. Ou j'en remette. Attends, j'en ai peut-être encore dans... Non, j'en ai plus. Mince. Faut absolument que j'aille chercher du bois. Et le feu qui va s'éteindre. Je crois que j'en ai plus dans la cabane comme ça là-bas. Donc je vais être obligé de refaire un feu en fait. Donc je vais être obligé de rallumer le feu à tous les coups. Voilà, j'ai été ramasser du bois. Par contre, le temps que je ramasse le bois, forcément, le feu s'est éteint. Génial. Tout va pour le mieux. Faut juste que je retrouve l'ours. Ça, dans la nuit noire, si c'est bon, je l'ai trouvé. Il faut que je fasse un deuxième feu de camp, en fait. Je peux pas rallumer celui-là, d'accord. Et tout de suite, on va rajouter le combustible et on va aller en chercher d'autres. Tout de suite, direct, comme ça, sans hésiter, on va aller chercher le maximum de bois. Et j'ai cru qu'il y en avait là-bas encore. Alors bien sûr, faut aller chercher les grosses branches. Les petites branches, ça brûle moins vite. Enfin, ça brûle plus vite plutôt. Les petites branches comme ça, on peut les ramasser aussi. Hein. Ça fait toujours du bois à brûler. Et au moins, on passe pas son temps à les casser. Faut juste réussir à les pointer facilement. Voilà, j'ai ramassé tout le bois que je trouvais. Maintenant, on se redirige vers le feu et on va tout foutre le bois, tout mettre le bois dans le feu. On voit rien. Waouh, je sais pas si vous voyez quelque chose sur YouTube, mais moi, je vois pas grand chose. Voilà, pendant 7 heures, j'ai du feu pendant 7 heures, je suis tranquille. Donc déjà on va faire cuire la viande que j'avais. Et apparemment le soleil est en train de se lever, c'est le petit matin. Enfin en tous les cas, moi je vais encore dormir 2 bonnes heures près du feu. Parce que j'avais la fatigue qui était en train de descendre comme pas possible. Il y a le vent qui est en train de se lever, j'espère que le feu va pas s'éteindre. Et si le feu s'est éteint, et je suis en train de geler parce que c'est la grosse tempête. La carcasse, elle a gelé un petit peu. On va ramasser ça. C'est pas le moment de faire le con. On va ramasser ça et on va rentrer vite fait vers un abri. Je sais pas si la cabane qu'elle a sera suffisante pour m'abriter. Oui, non, ça n'a pas l'air. J'ai pas un morceau de bois, donc là je suis dans la merde. Donc on va essayer d'aller jusqu'à la cabane, jusqu'à la maison. Oh, c'est dommage, pourquoi ce blizzard s'est levé comme ça d'un seul coup? On dirait que le jeu se fout de ma gueule. Normalement, ça devrait le faire, je devrais avoir assez de temps pour aller jusqu'à la maison. Et je pense que la grange, c'était pas un abri suffisant. C'est pour ça que je vais vers la maison. Et je crois que je suis encore en train de me paumer ici. Faut pas paniquer, faut pas paniquer, pas paniquer, pas paniquer. Ok, je pense savoir où on est, on doit pas être loin de la ferme.
C'est bon, on est arrivé à la fin, on va pouvoir s'abriter. Parce que là, je suis en train de crever. Ouf! Voilà, je me suis réchauffé au coin du feu. Par contre, maintenant, il va falloir aller dormir pour finir de récupérer ce qu'on a perdu. Par contre, mon set de couchage est tout là-bas. Donc, dans la nature froide, avec l'ours. C'est l'ours qui a gardé mon set de couchage. Le con. Donc, on va dormir. Oh, c'est vraiment dommage qu'il y ait eu ce blizzard là. Parce que sinon, c'était nickel. Et apparemment, il y a toujours énormément de vent dehors. Donc, c'est pas dit que je puisse sortir. Non, c'est même pas la peine d'y penser. Vu le temps qu'il fait, on va retourner à l'intérieur. Je suis descendu dans la cave pour fabriquer des collets. Vu que la nourriture en fait de carnivore me donne des. Me rend malade, du coup je vais utiliser. Et donc l'ours apparemment est considéré comme de la nourriture de. Comme de la viande de carnivore. Donc du coup je vais utiliser. J'ai utilisé des boyaux séchés que j'avais avec moi pour fabriquer des collets. Et je vais aller les poser dans le champ derrière, vu que les lapins sont pas carnivores. À part les lapins vampires, bien sûr, mais les lapins vampires, a priori, on les trouve pas par ici. Par contre, il fait encore super froid. Mais j'ai quasiment plus de viande. Et le vent qui s'est levé, mais waouh. Et tant que ce vent est là, je peux pas faire grand chose. Tant qu'il y a plein de vent comme ça. On va poser les collets par ici. Normalement, c'est par ici qui sont les collets. Aller chercher, c'est ici. Du coup, j'en ai plein. Faut juste qu'il y ait plein de lapins. Ça, c'est pas gagné. Voilà, j'en ai plein. Il suffit d'attendre maintenant que ça morde. J'en ai plus, hein. Non, j'en ai plus. On retourne. Et on va retourner se coucher. Vu le temps qu'il fait, c'est pas la peine de rester dehors. Par contre, ce que je vais faire, c'est que la viande de l'ours, on va quand même aller la récupérer. Et la peau et les boyaux aussi. Et surtout mon sac de couchage qui est resté là-bas. Ça c'est con de le laisser à l'ours. Voilà, la nuit est terminée. Enfin, c'est le tout petit matin là. Par contre, il n'y a plus. Ah, pousse-toi le truc. Que je vois pas où t'es. sortir de la ferme. Voilà, je trouvais pas la porte. Il fait nuit. Enfin, le petit jour vient de se lever. Normalement, il y a un peu de lumière dehors, donc on va sortir, on va aller tout de suite vérifier si on n'a pas les collets. Ouh, il y a du brouillard, par contre, j'aime pas le brouillard. On va aller vérifier si... Je me demande depuis l'autre jour, depuis j'ai commencé cet enregistrement, je me demande s'il n'y a pas quelque chose que j'aurais oublié dans cette grange. Je me demande si j'ai été, en fait, contrôler s'il y avait des trucs à ramasser dans cette grange, depuis que je suis arrivé. Et non, il n'y a rien. On va aller voir tout de suite sur les collets s'il y a quelque chose à ramasser. S'il y a des lapins. Et il n'y avait pas de lapins de prix dedans, et vu qu'on ne voit pas de lapins qui courent, et normalement c'est dans les zones où on voit des lapins qui courent, qu'il faut poser les collets, du coup je les enlève et je vais les placer ailleurs. Et j'ai vu qu'il y avait de la mousse, donc on va ramasser ça aussi. Voilà. Ce qui permet de faire des bandages antiseptiques. Ce qui est toujours pratique, des bandages désinfectants, on va dire. Et on va casser un peu de bois aussi, ça peut pas faire de mal. Par contre, je suis transi, j'ai super froid. Ramasser le petit bois. Et on va prendre la direction de l'ours. I need to drop something.
contre, ce qui m'inquiète, c'est que je suis déjà transi. On va faire un feu près de l'ours et on va voir si on peut récupérer de la chaleur. J'espère, parce que sinon on est dans la merde. Non! L'ours a disparu! Et mon sac de couchage aussi! Ou alors le sac de couchage, je l'avais ramassé? Non, le sac de couchage, je l'avais ramassé. Par contre, l'ours a disparu. La carcasse de l'ours a disparu. Mince! Donc j'ai fait tout ça pour rien. Et zut! Donc du coup, on va faire un feu. On va faire un feu dans la cabane, histoire de se réchauffer, parce qu'on est toujours transi complètement. Dans la grange, on va faire un feu dans la grange rapide. Et histoire de se réchauffer un peu et de repartir vers la ferme. Et du coup, j'ai plus rien à bouffer, quasiment. Enfin, juste la viande que j'avais réussi à récupérer sur l'ours. Et ben, on est mal barré.